vous tous, amis festaires venus des Landes, du sud-ouest, de France et d'ailleurs, le moment tant attendu est enfin là. 12 mois d'attente pour chacun de nous. 12 mois d'attente pour vivre ensemble une des plus grandes férias du sud de la France. 12 mois de travail et de préparation pour les services de la ville, la commission des fêtes populaires, la commission taurine, la commission des courses landaises, les associations, les amicales de quartier, les peignas. Amis festaires, durant 6 jours et 6 nuits, vous vous amuserez sans répit et aussi sans débordement, et vous profiterez des programmes festifs et taurins concoctés durant de nombreux mois par tous les bénévoles ici présents. Ils ont travaillé sans répit et ils méritent notre admiration, nos remerciements et, s'il vous plaît, vos applaudissements. De tauromachie et de folklore du monde. Durant 6 jours et 6 nuits, une grande liesse populaire va envahir les rues de notre ville pour toucher le cœur des festaires venus partager en famille ou entre amis d'inoubliables moments de spectacle, de convivialité et de bonne humeur. Toutes les générations de Dacquois sont là, des anciens avec qui nous avons partagé à midi le repas des seniors, jusqu'aux enfants à qui la journée de demain sera consacrée. Nous accueillons avec joie tous les Dacquois exilés durant toute l'année et qui viennent retrouver leurs familles et leurs amis durant ces quelques jours. Ils redescendent au pays se ressourcer, mais nous accueillons aussi avec joie tous ceux qui viennent des régions de toute la France et viennent avec nous partager ces moments de fête. Pendant 6 jours et 6 nuits, chacun pourra vivre du matin jusqu'au soir ces instants de ferveur et de chaleur qui caractérisent notre sud-ouest et notre feria dacquoise. Pour recevoir tout ce monde, la ville s'est parée de rouge et de blanc, et elle s'emploiera à rester coquette au quotidien. La tenue blanche et rouge que vous arborez est devenue traditionnelle. Elle permet d'abolir les différences, elle permet d'abolir les barrières sociales. Et nous sommes très attachés à ce que cette fête soit gratuite, publique et ouverte à tous. Le blanc et le rouge, couleur de la feria, couleur d'une ville et d'un esprit festif. Une tenue est presque une revendication. Ce foulard que nous allons tout à l'heure déployer est un symbole. Le nouer autour du cou, comme nous allons le faire tout à l'heure, après avoir chanté ensemble le chant traditionnel, symbole de nos fêtes, le vino griego, ce foulard et le nouer autour du cou sera un acte rituel, manifestant pour chacun de nous le désir d'entrer dans la fête, dans le respect de soi et dans le respect des autres. Les fêtes sont notre bien commun, à nous de les vivre dans la joie, dans la bonne humeur, à nous aussi de veiller à ce qu'elles conservent leur esprit bon enfant, à nous de les préserver de tous les excès et de tous les débordements. Vous le voyez, depuis que nous sommes là, depuis que les bandas ont joué, le soleil est dans nos têtes et il est dans le ciel. Merci à tous. Alors, maintenant, je souhaite appeler ici, autour de moi, les représentants des jeunes, les représentants des bandas, les représentants de l'harmonie Lanelle, les représentants des Gouillas de l'Adour, les représentants de l'association Kenbach, autrement dit tous ceux qui vont animer et faire vivre nos fêtes pendant 6 jours et 6 nuits. Et je vais leur remettre la clé de la ville, la clé des fêtes, s'ils veulent bien s'avancer. La clé de la Feria 2008,
faites-en bon usage. Place maintenant à l'émotion, au plaisir et à la joie, à la passion et à l'enthousiasme. Place aux retrouvailles, place aux rencontres, à l'amour, à l'amitié, place au rire, au chant et à la musique.